Et bonjour à tous les potes, bonjour, j'espère que vous allez bien, ici LRB, on est parti aujourd'hui pour une petite game en jungle avec Fiddlestick. On est tombé contre le poteau Corobizarre et contre Noah aussi qui est un joueur Queen, qui Only Queen et qui était passé Master avec son champion de mort. Donc on va voir s'il va réussir à faire la même chose, s'il va réussir à carry. On va jouer Fiddle, je pense que c'est la première fois que je joue en jungle en diamant. Donc on va voir si ça passe, on m'a dit que c'était fort donc du coup je l'ai pris, j'ai fait un petit peu le mouton. Mais bon, on va voir tout ça, j'ai vu qu'il y avait des poteaux IRL qui sont passés sur le chat, hein. Donc le poteau Jean-Michel qui est passé sur le chat, un mec qui habitait à Ponto avec moi, que j'ai connu au tennis de table, voilà, asiatique, tennis de table, normal, la base, on connaît les bails. Mais bon, pas du tout raciste les gars, mais bon, vu que ça vient de moi, ça passe. Si c'est quelqu'un d'autre qui le dit et qui n'est pas asiatique, ça fera raciste, donc c'est l'avantage au moins pour ça. Donc sur ce les potes, on va essayer de faire une bonne game tout de même. On va voir sur quoi on va partir, on est contre Koro, Noah, ils ont un panthéon de jungle, beaucoup de rythme qui peut être mis. Et ça peut vraiment snowball, donc faut faire gaffe, ils ont Kassadin top, un champion qui revient énormément ces derniers temps. Surtout qu'il est contre un rumble, donc du coup le matchup est pas mal à son avantage. Il va pouvoir réduire tous les dégâts avec son Q-spell, tout en puissant poke, etc. Donc ça risque d'être compliqué. Là, Harry qui va jouer contre une Katarina. Intéressant, un matchup assez difficile dans les deux côtés. Sachant que si la Katarina commence à engage, Harry va pouvoir dash out. Si jamais elle fait un dash in et que la Katarina arrive à dash out, ça se passe aussi. Donc c'est des matchups assez, assez chauds. Donc on va voir en tout cas comment ça se passe. Donc je regarde un petit peu les questions sur le chat. Donc je vois les Grecs de la gare de Ponto, on connaît les bails. J'avoue, les Grecs de la gare de Ponto sont vraiment très très bons. Donc moi j'aimais particulièrement, donc on va partir sur ça pour pouvoir faire l'item jungle AP ensuite. Donc pour pouvoir faire cet item-ci. Non, je veux pas faire ça. Moi je vais faire ça mais en AP. Donc je vais faire ça moi. J'aime bien le smite de zone. Là mais quoi c'est quoi là? Le smite qui slow les gens. Ouais, mais ça pue la merde le smite qui slow les gens. Enfin moi je ne l'aime pas. Donc moi je vais faire le smite qui permet de clean beaucoup plus vite. Après est-ce que Fiddle en a réellement besoin? C'est la question qu'on se pose quand même. C'est la question qu'on se pose les gars. Donc je vais partir sur mon drain dès le début. Vu qu'on risque de ne pas partir sur une invade. Vu qu'on n'est pas fou en termes d'invade. On va voir comment ça se passait. On a Lucian Brome au niveau de la bot lane. Ok, la Katarina qui est là. Queen a des carry. Faut faire attention quand même parce que Noah avec sa Queen est vraiment très très bon. Donc va falloir faire gaffe à tout ça. On regarde un petit peu. De toute façon, Drake level 2 de pente. Ouais. Ward early Drake. Donc il va nous falloir une ward très très early sur le Drake là. Parce que sinon ça peut être très très mauvais pour nous. Donc on va voir ça. On va voir ça. Ponto c'est une ville de Portugais. Exactement. J'avoue que Ponto c'est une ville de Portugais. Mais il y a quelques Asiatiques qui ont vécu pendant de longues années. Donc, tels que moi par exemple. Qui a vécu une vingtaine d'années environ à Ponto Combo. Donc ça se passe. Ça se passe les gars. Ponto c'est une bonne ville. Ne vous en faites pas. Donc qu'est-ce que tu vas mettre sur YouTube? C'est le game. Bah si elle est cool, oui. Si elle est cool, jamais. Si elle n'est pas cool, jamais pas. Aussi simple que ça. Donc encore une Akali plus tard. J'ai bien envie de jouer Nasus. Je vous avais dit que j'allais jouer Nasus tout à l'heure. Donc peut-être plus un Nasus qu'une Akali. On va voir dans tous les cas. On va voir. On a le temps de faire encore normalement deux games si ça se passe bien. Donc ne vous en faites pas, il nous reste ouais, 1h35 de game normalement, ça devrait le faire. Donc on va voir. On va voir où tu as tes bonnets. Celui-ci c'est un bonnet de chez The Weeknd, donc qui est un chanteur que j'ai acheté. Enfin que j'ai acheté. Genre j'ai pas acheté le chanteur gars, j'ai acheté le bonnet de sa marque. Et en général ça dépend. Sinon j'ai acheté un bonnet Cap Show par exemple que j'ai mis hier, que vous avez pu voir. Enfin pour tous vous tous sur YouTube c'est intemporel donc vous allez pas voir tout ça en même temps. Mais en gros oui voilà. Il y a des trucs que j'ai mis que j'achète un petit peu partout par exemple. Donc, ah oui, beaucoup d'AP. Ça va, ça jungle. Ça galère un petit peu à jungle. Hein. Comme champion, je trouve ça c'est chaud. Donc, on régène pas trop en plus de ça. Donc, ça passe. Mec, c'est insane. Hein. Genre, c'est abusé quand même comme champion pour jungle. Donc, ok. On va essayer de faire ça. On met le silence. On met le drain. Donc, on va essayer de clean au plus vite. Donc, ok, let's go. On essaye de kite un petit peu les sbires pour pas qu'on prenne trop de dégâts. On essaye de tampon un petit peu. Voilà. On met le drain au maximum pour essayer de sustain. On va mettre un petit corbeau là. Voilà. Et là, ça doit le faire. Ok. Donc l'avantage avec Fiddle, c'est qu'on peut clean un petit peu tous les camps. Arriver level 3 directement sur notre blue, sur notre red. Donc je vais essayer de faire directement les fantômes. Enfin les fantômes. Les corbes, hein, je crois que ça s'appelle maintenant. Attends, ça s'appelle comment? Attendez, je vais voir ça. C'est les corbeaux. Bon, genre en anglais, je sais pas du tout. Je crois que c'était les corbeaux en anglais. Je pensais, j'étais quasiment sûr. Mais bon, en fait, pas du tout. Donc, je vais essayer de passer level 3 directement sur ces creeps là. Putain, ça fait mal quand même. Hein. Voilà, on passe level 3 comme ça. On met le drain level 2. Et là, on est bien pour faire la jungle plus vite. Et si jamais il vient nous counter jungle, bah il ne peut pas, tout simplement. Car là, je ferai la jungle beaucoup trop rapidement. Donc, on va voir ça. Voilà, on met le drain. On met tout ça, ça se passe. Voilà. On est level 3. Attends, j'ai cancel mon auto.
Est-ce qu'on peut faire un truc là? Je vais juste back. Je vais back, je vais pouvoir acheter du coup ça. Donc, enfin non, oh, c'est pas fou là de back maintenant. C'est pas fou du tout de back maintenant là. Donc, je vais essayer de rush mon level 4 pour essayer de gank le bot là. Ça risque d'être assez chaud, mais bon, je pense que c'est largement faisable. Ok, ils ont pris le kill au top là. Il fallait s'en douter un petit peu, le gank level 3 au top. Plus ou moins classique. Il a flash in quand même, donc ça va. Il a flash in, donc ça va. Il faut que je prenne mon level 4 par contre. Putain, je pensais passer level 4 avant là. Ah, my bad, j'aurais dû faire les loups. J'aurais dû faire les loups là. Essayer d'arriver là. Ah, ça rebondit, ça prend le kill, voilà. Et boum, le flash corbeau, tu vas faire quoi? Calme-toi. Laisse-moi prendre de la vie sur toi, voilà, c'est bon. On prend le level 4, on a pris le flash corbeau, ça s'est bien passé. Par contre là, c'est pas dingue ce qu'il nous fait là. Donc là, on peut peut-être aller chercher si jamais... Oh non, l'aveuglement sur 3 personnes, bien joué de la part de notre ami Queen. Donc là, on va back, on va pouvoir acheter du coup ce smite-ci. Et là, ça va nous mettre super bien. Donc dès le moment où on commence à changer déjà le smite là, donc comme vous pouvez voir on a un petit level d'avance sur le Panthéon, c'est normal, on joue Fiddlestick les gars dans la jungle, c'est juste insane. Par contre il va me falloir un bleu soon parce que là je vais commencer à souffrir en termes de mana. Est-ce que je peux gank au top au niveau de la mid lane? Ça SS, attention quand même, hein. Attention quand même à notre poteau Rumble là. On a réussi à tuer le poteau Koro, c'est bon, c'est le plus important, le reste on s'en branle, hein. Si on arrive à tuer Koro, ça passe, le reste on s'en fout. Tu vois le pire hein. Par contre attention là quand même hein. Va falloir reculer très très vite là, va falloir se réveiller très très vite hein. On peut pas faire ce genre de move hein. Ah non Lucian. Oh merde. Ah non Lucian. Tu peux pas dash in à ce moment de la game où t'es super low comme ça. Surtout qu'il y a la Koon qui arrive et tout. Ah c'était pas fou hein. C'était pas fou du tout. Donc, on va essayer de régénérer un peu là dessus. Et je sais même pas ce qu'on max comme sort sur Fiddle les gars. Donc je pense qu'on max pas le corbeau. Bon, ça m'étonnerait qu'on max le corbeau. Voilà, on fait la jungle déjà. 15 secondes avant mon smite. Il a mis noir dans le tribush. Faudrait que j'aille bot pour récupérer un petit peu d'XP. Non, finalement ça ne suffira pas. Donc je vais faire ça. Ok. Je vais faire un petit dent là. On va clear la jungle très très vite là avec ce petit fiddle là. On met le smite. Voilà, c'est bon. Ça se passe. On prend le farm. On va essayer de maxer un petit peu le fear maintenant. Le fear qui est très très bon. Oh nice. Oh, L'un des meilleurs moves, tu vas faire quoi? Voilà, ça se passe, on prend le kill là. Pas mal, Fiddle Jungle les gars. C'est fort, Fiddle Jungle c'est fort les gars. Donc ok, on a ça pour savoir si on est repéré par une ward ou pas. Donc on permet à la Katarina de récupérer quelques kills là. Ça l'a mis super bien. Donc faire attention quand même là, j'ai pas trop envie de gank maintenant. Putain Fiddle les gars c'est juste fumé hein. Vraiment, vraiment c'est trop fort hein. Donc ok, on fait ça, on est level 6 là, je vais essayer de gank au niveau de la bot lane là. Attention quand même là. Là il va y avoir une ward ici là, normalement. Y'a pas de ward ici? Je pensais qu'il y avait une ward ici. Ok intéressant. On va l'attendre dans le bush là. Il va passer par là-bas je pense hein. Il va passer par là-bas là, je vais essayer de mettre un ulti. Ok, ça push la lane là. Donc, c'est pas mal, on prend un kill, on prend l'ulti là. Donc là, est-ce qu'on peut prendre le Drake là? Est-ce qu'on peut prendre le Drake là? Est-ce qu'on pourrait le faire là? C'est quand même assez chaud. Je pense qu'ils sont en train de le faire là. C'est quand même assez chaud. Non, ça va. Ils vont cancel. Ils vont devoir le cancel là. C'est normal. Ok, on va reculer. On va reculer, on va essayer d'enlever ces petites wards là. Voilà, on va essayer d'enlever les wards quand même. Donc on a pris le kill sur la Queen, le Panthéon qui a voulu faire le Sneaky Drake là, la fameuse technique du Sneaky Drake. Donc pas mal, je vais pouvoir continuer à faire ma jungle là, sans trop de problèmes. Donc Fiddle les gars, ça se passe hein. Ça se passe pas mal, donc je suis parti là-dessus. Donc je vais prendre ça, et je vais ensuite faire un Zhonya instantanément. Donc là je n'ai pas de quoi faire, donc allez je vais prendre ça, on va se changer. La trinket et on va partir là dessus. Donc ok no flash top, je vais essayer d'arriver top. Mais il faudrait qu'on prenne le Drake avant. Attention quand même là les moves sur la bot lane là. Ah là là, la Koon qui fait très très mal. Voilà, elle va prendre quand même le stun là. C'est pas mal fait là. Le double heal là, le double heal qui a été claqué.
C'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Le kill, l'auto-attaque. C'est bien. Oh, dommage. Ah, dommage. Là, je pense qu'il y aurait pu avoir un petit move un petit peu meilleur, mais c'est quand même assez compliqué. Ça décale au niveau de la top lane. C'est très très bon. On va faire ça. Je fais ça. J'ai fait le smite sur le blue juste pour avoir un petit peu plus de mana, même si là, ce n'était pas très utile. On va clean un petit peu toute la jungle. Donc, ok. Donc, j'ai pris des potions de mana, je sais pas trop pourquoi finalement alors. Donc, je vais clean toute la jungle. Là, au niveau de la mid lane, ça push, mais ça ne suffira pas pour lui permettre de prendre cette tour. Donc, voilà, on y va. On continue clean. Voilà, on clean. On va faire le full clean. 40 secondes avant l'ulti. Je vais essayer de décaler sur la mid lane, je pense là. Donc ward behind bot lane là, je pense qu'ils vont avoir besoin déjà d'une ward sur la bot lane là pour aller TP. Donc ça c'est très très intéressant de la part de notre poteau Rumble. Donc il a raison, je vais essayer de prendre tous les buffs là, je suis quand même déjà level 7, ce qui n'est pas dégueu, ce qui est vraiment pas dégueu. Donc on va clean le tout, je vais prendre le smite là-dessus, donc je vais faire le smite là-dessus moi j'aime beaucoup. Voilà, ça se passe, on prend le drain, on clean. Donc ça va très très vite, hein. Ça va très très vite les gars avec Fiddle. Comme ça j'aurai l'information si jamais c'est ward ou quoi que ce soit, pour faire des petits traps pour remettre l'ulti. C'est important les gars, c'est important les gars. Donc faut faire gaffe. Ok, j'ai mon ulti là qui est up là, c'est pas mal. Ok, la Katarina qui décale. On met le petit corbeau pour essayer de clean au maximum et on décale. Attention quand même, ça flash out, ça met l'ulti là, la Katarina qui arrive, le TP de la part du Rumble, c'est bon, c'est terminé. Il y a du mort là, là il y a du mort les gars. Laisse-moi. L'assist. Oh, j'ai pas eu l'assist, please. Non, repars là-bas, mon pote. Donc, non, il y avait une ward là-bas. Va falloir qu'on fasse le Drake là, je pense. Si au moins on veut faire en sorte que l'ATP ait été utile. Donc, ok. Il m'a repoussé, c'est bon. Maintenant, on peut faire le smite, etc. Donc, j'ai pas eu trop d'utilité là sur ce gank là. On a vu que la team a été très très réactive. Voilà, on prend le Drake, ça se passe. On va utiliser une petite potion. Voilà. C'est trop chiant ce mob. Mob de merde. Reviens. Je le fire comme ça il est slow. Je drain. Voilà. C'est bon, on prend l'information ici. Donc c'est pas mal. J'ai mon silence, j'ai un petit peu tout là. Je vais essayer d'aller faire les golems. Je vais continuer à prendre un maximum d'XP. Et là, on va se mettre super bien là pour le coup. Donc attention quand même là. On voit le fiddle. On voit que tout le monde décale un petit peu là. Merde. Oh mon dieu le move. Ils les ont défoncés. Oh merde. Oh non. Oh c'est terrible ce qui vient de se passer. Oh ils viennent vraiment de les défoncer là pour le coup. J'étais pas prêt à voir ça. Le Rumble je m'attendais pas à ce qu'ils mettent aussi cher là. Ok il a pris l'information là avec son truc de zone là. J'ai vu. Donc ok on va se tirer. Je vais passer level 8 sur ces creeps là. Là ça devrait être pas mal. Putain mec. Oh c'était grave chaud hein. Prends un DFG sur Fiddle. Calmez-vous tout de suite. Voilà, on va prendre ça. On continue à mettre le bon fear bien vénère là. Donc pas besoin de plus pour faire la jungle. Juste 2 points dans le drain. Oula, ok, il y a une ward ici. Intéressant. J'essaie de venir par là. Donc là, je pense qu'ils n'ont pas de ward ici. Ouh, bien esquivé de la part de notre poteau Koro quand même là. Donc là, c'est chaud. Le bon ulti. Une auto. Go. Il a pas réussi à bump. J'arrive. C'est quand même assez chaud là. Voilà, vas-y. J'attends qu'il me stun là. Oh, il m'a stun. Non, c'est de la merde. On met le fear. Oh non, putain, c'est con qui m'a def là. Ah, oh, j'ai grave le seum. Ah, oh, j'ai plus la merde. Je pensais que mon ulti allait faire plus mal, mais en fait, pas du tout. Donc, mon ulti n'a pas fait de dégâts. Après, c'était plus ou moins logique, hein. J'aurais dû m'y attendre. Le panthéon est pas si mal, il est pas trop à la bourre là pour le coup. Donc il a bien joué, je vais partir sur ça. My bad, j'étais un petit peu late là pour l'ulti. Du coup j'ai mis mon ulti, ils m'ont vu mais bon c'était pas trop grave. Je me suis dit je vais avoir le panthéon. J'ai voulu attendre avant de mettre mon drain. Car si j'attendais pas, je me le faisais contre celle. Finalement j'ai attendu mais il s'est pas fait bait. Du coup il m'a pas mis son stun avant. Il a attendu que je mette mon drain, j'ai mis mon drain, je suis mort. Un petit peu dommage là, je suis un petit peu un petit peu déçu là pour le coup. Mais bon c'est pas trop grave. Il a eu de la chance mais en même temps il a bien joué. Donc j'assume. Je valide ce genre de move là du coup. Moi quand je me fais le play y'a pas de problème hein. Les gars je me fais le play c'est tout. Là je me suis fait le play. Donc it's ok. Voilà on va prendre ça. Ok donc, on va continuer. On va prendre notre drain. On va avoir notre fear level 5 maintenant. Donc ça risque d'être assez intéressant.
Donc ok, let's go, on continue, on continue. Il a pas encore lui son bâton séculaire, donc ça passe. Je vais essayer d'arriver, je vais essayer de mettre un petit peu de pression, même si ça risque d'être compliqué là. Ouais, ça risque d'être compliqué, c'est quand même un Kassadin quoi. Un Kassadin, un gank les gars, have fun quoi. Have fun à gank un Kassadin. C'est quand même assez chaud. Faut que j'attende qu'il utilise au moins un R de manière assez agressive là. Oh putain, il est parti de l'autre côté. Non, je pense que ça sert à rien là. Oh, je les silence là. Il a flash out. C'est bon. Plus de flash sur le Kassadin. Ce qui est pas mal. Au niveau de la bot lane, ça prend un kill là. C'est quand même assez chaud. La Katarina qui décale bien. La Katarina qui décale super bien là. Par contre, faut faire attention. Hein. Faut faire vraiment attention là. Il a plus trop de PV. Oula, beaucoup de chance là. Oh, le Kassadin qui a TP. Là, c'est chaud là. Là, c'est chaud. Pas le meilleur TP là pour le coup. Est-ce que je peux faire un truc là? Donc la bonne TP quand même de la part du Kassadin qui là, les a mis super bien. Donc voilà, j'ai mon Fear level max là. Donc, on va faire ça. Bon là je peux pas trop décaler là. Là je peux pas du tout les aider là. Donc ça s'est mal passé là. Ce move était pas fou du tout. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Est-ce qu'ils vont pouvoir push au bot là? Je pense pas qu'ils puissent push au bot. Attention là, le Drake est là dans 2 minutes environ. Moi je vais pouvoir prendre un petit peu de farm quand même. Donc le Panthéon, on va mettre un petit peu de ward. Je prends un petit peu d'XP moi sur les creeps qui arrivent là. Donc ok, ça passe. Lucian n'est pas encore là. Lucian est level 8 quand même hein. Là il est un petit peu à la bourre. La Queen est level 9 malgré tout. C'est quand même assez chaud. Donc il faut essayer de préparer le Drake là. Ok, on met les petits coups d'ongle. Ok voilà, ça se passe. On va prendre le red buff. On va prendre le red buff et oula, what the fuck. Il m'a cancel là, vraiment. Putain de merde. Il m'a cancel mon raid. Je suis grave déçu. On arrive quand même à prendre la ward. Quelques déceptions, j'ai vu le Panthéon s'y diriger. Je pensais pas qu'il allait le prendre hein, vu que là il y avait quand même des backups possibles. Des backups possibles là, mais là c'est quand même assez chaud. Bon, le Panthéon pourra pas faire grand chose là dessus. Le Drake dans 58 secondes. J'ai 45 secondes de CD sur mon ulti, donc enfin sur mon smite pardon. Donc ça passe. Donc ok, je vais essayer de le faire au plus vite. Ils sont quand même là. Elle est level 11 hein. Notre Katarina peut vraiment faire la diff hein. Notre Katarina peut vraiment faire la diff. Mais ça va pas être facile. On va faire gaffe à ça. Ok, va falloir que je back là. Va falloir que je back. Je vais essayer de prendre quand même des bottes de sorcière pour essayer de mettre un maximum de pression. Oula, là il est mort. Ah dommage là. Dommage, j'étais un petit peu late là. Le Panthéon met vraiment beaucoup de pression là pour le coup. Il joue vraiment très très bien. Est-ce qu'il peut trade là ou en 1v1? Il peut pas trade en 1v1 contre elle. Ah si, il peut. Le flash out instant. C'est quand même assez chaud là. Est-ce qu'il y a encore un stack d'ulti? Mec, il va prendre un coup de tour là. Oh putain, j'ai pas mon flash pour aller chercher. J'ai grave le seum là. J'ai pas d'impact là pour le coup là. J'arrive pas à chercher l'impact que je devrais avoir là. Faudrait juste mettre une ward là. Larry est out hein. Larry est out du fight. Donc c'est pas mal intéressant. Faut juste mettre une ward là. Juste mettre une ward. Ok, ils l'ont pas fait donc ça passe. Faut faire gaffe à ça. Il va la faire bump. Ok, il va la tuer. Il va la tuer en 1v1, ça se passe très bien. Donc, je vais essayer de mettre ça. Je sais pas trop quoi max moi à chaque fois sur ce champion. Ça reste d'être chaud là. Est-ce qu'on peut le faire là? Oh non, il m'a cancel. Oh, j'ai fait le pire ulti possible là. Oh, il y a le rumble, faut qu'il mette l'ulti. Le rumble, faut juste qu'il mette l'ulti là. Et là, ça peut passer là. Ils peuvent récupérer ma skill. Oh non, ulti. Non, too late. Oh, le rumble qui a pas mis l'ulti, dommage. Vas-y, une auto. Oh putain, mais c'est chaud là. Oh, tue-le. Ah, il peut pas. L'ulti de la part du rumble, parfait là. Donc ça fait du 3 pour 3. Oh, J'ai fait un ulti, les gars. Oh, c'était horrible hein. Oh, c'était pas dingue. Mais bon, ça passe. 3 pour 3. La Queen était déjà morte, donc au final, c'était un mauvais fight. Parce que là, si j'arrivais à mettre mon ulti, en fait, j'ai mis mon ulti au corps à corps, les gars. J'ai fait mon ulti au corps à corps. Et du coup c'était pas dingue au final. Ça récupère le 4ème kill là, non. Là c'est chaud. Je peux pas trop venir là. Je suis level 10 donc ça passe. J'aurais plus d'impact en fight que le Panthéon donc ça devrait aller. Mais le Panthéon là est level 11, il a bien farm sa jungle. Et là ça risque d'être assez chaud. Au niveau de la top lane ils sont obligés de def. Ils sont obligés de have to def top go Drake. Faut juste go Drake à 5 en fait. Faut juste go Drake à 5 là et ça peut le faire. J'ai pas encore mon ulti moi. Je vais essayer de le pull au moins. Voilà. Voilà, viens.
Voilà, viens, voilà, comme ça, ça passe. On essaye de le pull un petit peu. De toute façon, là, la queen ne pourra juste rien faire. Non, Panthéon, Panthéon, focus Panthéon là. Ok, très bien, on s'est fait défoncer là. On s'est fait def. Quoi? C'est quoi ce shield qu'il a pris? C'est quoi le... Est-ce qu'il y a un visage de la montagne quelque part là? Est-ce qu'il a déjà son visage de la montagne? Non, il a pas. Oh, dommage, dommage, là ils peuvent pas le faire. Hein. Ils peuvent pas le faire là. Oh, on s'est fait défoncer là pour le coup. Attention, attention quand même, s'ils peuvent le faire. S'ils sont 5 là-dessus, ils peuvent le faire. Il y a eu le temps de défendre là, quand même, attention là. Oh, il pourra pas le tuer là. Il pourra pas le tuer. Le bomb tank bien, le bomb tempo bien, le bomb tempo bien là. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Je vais essayer d'aller à home guard là. Home guard, ça pourrait être pas mal. Je vais essayer de go avec home guard là. Ah, c'est dommage, je pense pas qu'on puisse là. Ah oui, non, le fight, on a pas réussi à focus le Panthéon. Du coup, ce n'était vraiment pas dingue du tout. Donc, vraiment pas fou là. Dommage, dommage, je vais essayer d'arriver le plus rapidement possible. Il reste 5k PV. Je suis où là? Oh, je suis encore loin, je suis encore loin. 3k, 3k, 2k. Putain de merde. Putain de merde. Voilà, ça passe, on prend quand même un kill. Ils ont pris le Drake quand même, donc c'est un petit peu dommage là. On a récupéré 2 kills là-dessus. Est-ce qu'on peut faire un truc là? Le Panthéon et le Castellan est mort. Donc ça passe, j'étais parti avec Homeguard là pour essayer de revenir le plus rapidement sur la lane là. Mais malheureusement, ça ne s'est pas très très bien passé. Faut que je passe level 11 là, faut juste que je passe level 11 pour pas être trop trop late. Donc quelques mécaniques avec Fiddle qui me manquent un petit peu. J'arrive pas à mettre en mode sneaky, moi je suis toujours déjà dans le tas quand je dois lâcher mon ulti. Donc c'est pas fou, les gars, ça c'est là c'est pas dingue là. Donc dommage. Dommage, dommage. Ok, donc là ça va, ça enlève une petite ward par ici par là. Attention quand même, hein. Attention quand même à cette queen qui dépush énormément au niveau de la bot lane. Donc faut que je passe level 11 moi. Voilà, on y va, je passe level 11. Il aura pas le temps de push, il aura pas le temps de push là je pense. Il va me falloir un Zhonya très très vite. Je vais partir sur Zhonya bâton du vide je pense. Faut essayer de mettre un maximum de rythme. Voilà, attention quand même. C'est vrai qu'il a un buff lui, sérieux. Ça va, il est mort. Il est mort, on a pris un kill là. Putain mais, y'a pas d'ulti là? Y'a pas d'ulti d'up là? Ah putain, y'a pas d'ulti d'up les gars, c'est terrible. Donc la Katarina avait son ulti encore. Mais je pense pas qu'elle puisse tomber tout le monde honnêtement. Moi j'ai sorti totalement la queen du fight. Mais les gens n'avaient pas assez de damage là. Oh pas mal quand même là, le Shen joue super bien par contre hein. Genre c'est insane ce qu'il met depuis tout à l'heure là. Il a d'excellentes mécaniques depuis tout à l'heure avec son champion, il nous le prouve. Il est solide là, moi je voulais juste tuer la queen. On a réussi à sortir la queen mais le bomb était déjà assez low. Je pensais que les autres n'étaient pas low par contre. Et du coup c'est un petit peu dommage là. Oh 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 oh. Oh la tour qui fait pas de dégâts putain. Terrible, terrible là, ça sert à rien là. Des push là, vaut mieux que j'aille récupérer le farm au niveau de la top lane si je veux pouvoir faire quelque chose. J'ai mon ulti dans 50 secondes donc ça va. Attends, là ça sert à rien. Là si je vais je me fais juste défoncer. J'ai un petit peu peur là. Par contre pour décline, enfin pour clean ici, c'est pas dingue. Genre le gros défaut de Fiddle je trouve que c'est son clean wave. Donc ok, on prend le farm un petit peu là. Faut faire gaffe là. Est-ce qu'il y a un ulti rumble? Nice. Voilà, ça récupère les kills, c'est pas dégueu. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est quand même assez chaud là, non? Compliqué. Compliqué, 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 faut cancel, faut cancel. Je pense qu'il faut cancel là, à ce moment de la game. C'est beaucoup trop tôt pour le faire. Faut que je régène un petit peu sur lui là. Mets-tu lui quelques autos. Putain, par contre il tank beaucoup trop hein. Putain de merde. Attends, le fire, voilà. Tu pars de l'autre côté. Je voulais toucher le Castellan moi. Je suis un petit peu triste là, mais au final j'aurais du coup ma baguette trop grosse. Donc ce qui n'est pas horrible du tout. Faut faire attention là, on prend quelques kills, on prend quelques kills les gars, c'est le plus important. Pas mal joué ça. Je vais partir sur ça moi. Putain mon ulti qui a été dégueu encore une fois. Je suis vraiment pas dingue en ulti hein. Vraiment pas le meilleur en termes d'ulti là. Il va dash out voilà. Oh lolo, il a tellement brain. Il a tellement brain mon dieu. Je vais essayer d'arriver dans le back là. Je peux pas trop là, je pense qu'il vaut mieux cancel un petit peu le tout. Le Drake est là dans 2 minutes. Je pense que le call nasher aurait pu être bon. Mais c'était quand même assez difficile à mettre en place. Est-ce que tenter un truc? Ah oui d'accord. Donc on est parti sur un fear de type qualitatif. Donc le silence, ça augmente pas le silence? Ah je pensais que ça augmentait le silence, je suis un connard moi. Je
j'étais en mode bah, ça augmente le silence et tout, donc je vais le maxer. Pas du tout en fait, donc je pense que je vais plutôt maxer le train. Parce que là, my bad là. Pour le coup, j'ai un petit peu maxé n'importe quoi. Genre, je connais pas le champion, hein. Voilà. Comme vous pouvez le voir là, je ne connais absolument pas le champion. Donc, faut que je donne son raid hein, à lui là, vu qu'il a beaucoup plus d'impact que moi actuellement. Voilà, c'est bon, ça se passe. J'ai mon Drake, enfin, j'ai mon ulti d'ici quelques secondes. J'ai mon Zhonya en plus de ça. Donc là, c'est pas mal. J'ai mon Zhonya. Oh, il est pas mort. Voilà, on met le drain. J'ai mis un bon fear quand même sur le Kassadin, mais ça n'a pas suffi. Il va mettre son ulti pour se barrer là, je pense. Ah non, même pas. Il a pas besoin de ça, je pense. Ah, il l'a mis quand même. Hein. Il l'a mis, mais juste après là. Donc, c'est pas mal. Ok. Donnez-moi le carapateur. Oh non. Les gars, allez. Allez. Putain, champion de mort ça. Ce mob de merde là. Oh putain de merde, j'ai flash out là, j'ai flash out instant, je vais pas me faire avoir par ça. Oh putain mec, bon, ça va, il récupère le kill là-bas, le Lucian devrait récupérer quelques kills là, dommage là, il peut pas l'avoir, il peut pas l'avoir, il va juste dash out là. Oh dommage, c'est bien tenté, mais ça ne suffira pas. Donc Drake d'ici 48 secondes, ok. Slow push top, ça passe, faudrait réussir au moins à prendre 7 tours là, faudrait réussir à prendre 7 tours. Back, before, Drake. Oh putain, par contre là le move est assez terrible là, c'est en train de se passer là. Pas mal, pas mal, le rumble fait vraiment le taf hein. Le rumble fait vraiment le taf là pour le moment. Donc c'est pas mal fait là. Il va du coup prendre un kill, est-ce qu'il va réussir à en prendre un deuxième là? C'est quand même assez chaud. Oh, c'est quand même assez chaud là. Il va prendre des dégâts mais est-ce que ça va suffire? C'est ça la grande question qu'on se pose. Si ça va, ça devrait le faire. Il devrait prendre le kill là-dessus. C'est bien tenté tout de même de leur part là de faire ce genre de choses. Mais bon, c'est quand même assez compliqué à faire, sachant qu'ils sont fait un petit peu défoncer. L'ulti, oh dommage, oh dommage. Il va dash out, il va dash out. Il a eu le temps de dash out, dommage. Donc Larry est au top, on va prendre notre deuxième Drake là. Oh putain merde, on s'en fout, j'apprendrai après là. J'apprendrai après les gars. On va prendre le Drake beaucoup plus important. Par contre mes ultis je les ai tous piffés là. Pour l'instant les ultis c'est pas dingue ce que je fais quoi, en termes d'ulti. Voilà, deuxième Drake de prix par notre équipe. Faudrait réussir à prendre au moins la tour top, enfin la tour bot. Ce serait pas mal, j'ai maintenant mon Zhonya, je mets en 2 pour ne pas l'oublier, en espérant que je le mette plus souvent que tout à l'heure. Hein. Parce que tout à l'heure avec Makali, j'ai oublié totalement tous mes Zhonya. Hein. Donc là, avec Fizzle, c'est un petit peu plus important quand même. Ok. On va faire ça. Donc on a pris déjà une T2, on n'a pas pris de T2 encore, on n'a même pas pris toutes les T1. Donc ça c'est chaud. Ça c'est chaud, ça c'est chaud. Ouais, je pense qu'il faut qu'on cover un petit peu notre jungle là. Donc là le Drake a été fait, c'est normal. Ils peuvent pas trop faire grand chose là dessus. C'est un petit peu late. Ok. Lucian joue très très bien. Lucian joue très très bien. Le Panthéon là il est pas mal. Là il a 7-7-11 mon gars. Il a beaucoup plus d'impact que moi là. Il ne sert absolument à rien. Donc, ça c'est terrible, ok, ils ont pas de ward ici. Moi je me mets dans le bush et c'est tout hein. Jamais faire quelque chose, ça risque d'être assez compliqué. Pas mal, ça met le bon poke, hein. Ça met le bon poke là, on continue. On continue, moi je peux pas trop venir en front hein, en fait là-dedans là, donc c'est quand même assez compliqué. Ils ont noir d'ici, ils ont noir là. Pas mal ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là? Par contre ça c'était pas dingue hein, de sa part là. Ça prend très très cher, il va tomber. Non, je me suis def, Zhonya, 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 vite, vite, vite. Vite, régène, régène, régène. Oh j'ai pas pu régène là. Ah, dommage, dommage, en tout cas on a réussi à se mettre super bien. J'ai mis un Zhonya cette fois-ci là qui a permis de bien temporiser. Est-ce qu'on va pouvoir faire plus que ça là? Je pense que le Rumble va pouvoir prendre ce kill. Ok, ça va, ça va. Il joue bien, il joue bien. Oh c'est chaud, oh c'est chaud, oh c'est chaud. Oh non, non terrible. Bon ça va, ça passe, ça passe. Donc là j'ai pris très très cher, j'ai pris l'ultime de la part de notre poteau Koro. Ça fait du 4 pour 4. J'ai Zhonya quand même pour essayer de tempo au maximum. On a réussi à se dire cette fois-ci. Mais c'était pas non plus très très dingue. Donc ça passe, on essaie de mettre un petit peu de pression là-dessus. L'ultime en tout cas de la part de la Katarina et du Rumble ont très très bien suivi. C'était très bien joué de leur part. On est level 14, j'ai pas eu le temps de mettre mon ulti hein. Genre juste, moi je me suis fait focus, j'ai fait ok c'est chaud, je vais mettre Zhonya, Zhonya, please, tuez-les, tuez-les, tuez-les. Et ils sont sortis. Mais ça fait du 4 pour 4 finalement. Donc un fight plutôt serré comme vous avez pu le voir. Donc c'est chaud. Au top ça push. Yeah I know. Genre je sais mais là juste ils m'ont bien focus là. Donc j'ai pas trop l'habitude de jouer ce genre de champion qui reste dans le bac là. Et du coup là ça me dessert vraiment là. Parce que là je suis pas dingue là.
Voilà. On va mettre ça. Je viens de récupérer un petit peu d'XP hein, sur les sbires ici. Donc on va prendre un petit peu d'XP. On va rester à côté le temps que le Rumble clean un petit peu le tout. Ça va être pas mal ça. Ça va être pas mal hein. Ça c'est comment gratter de l'XP discrètement. Discret les gars. Discret l'XP. Voilà. On reste là. Discret, on a pris ma XP. Mid XP. Mid level quasiment grâce à ça. Pas mal. Donc ok, on prend de la war toujours. Là c'est quand même assez chaud là, la katana qui s'en sort. Pourquoi je max ça encore? Non 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 non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Fuck my life. Fuck my life, j'ai plus là, c'est quand même assez chaud. Le fear instant, j'ai fear non? Ok, c'est pas grave. On a plus l'ulti là. Non, il a pas dash, il a pas pris. Oh, il a pas dash avec sa kata là, faut qu'il prenne la reset là, faut qu'il y aille. Il peut pas. Oh, j'ai tellement failli mon ulti encore une fois. Oh, le gars avec Fiddle, bon, c'est pas dingue hein. Les maîtrises du Fiddle là sont pas folles. Oh, le flash in pour ulti. Je pense pas qu'il puisse faire un objectif honnêtement, sachant qu'on est assez late. Ils vont peut-être tenter le Nashor. Le Lucian qui va arriver d'ici 4 secondes. S'il prend des home guard, il peut aller def. Le Rumble n'a pas ulti. Dommage que le Rumble n'ait pas pu ulti. Il était en zone rouge. Moi j'ai ulti la queen hein, donc clairement j'ai pas d'excuse non plus hein, pour le coup. J'ai 7 tempos maximum mais ça n'a pas suffi. Est-ce qu'ils auront les dégâts pour le faire assez vite là? Donc là il va falloir go hein. Là il va falloir go. Je pense qu'ils n'ont pas les dégâts nécessaires. Mais on ne sait jamais. Donc ouais, pas dingue hein. Pas dingue là. J'ai fait un ulti les potes. Et je fais wow. Compliqué là. Compliqué ce genre d'ulti à mettre. Ok, on y va. Pas mal. Oh, ils ont réussi à le prendre là. Dommage. Putain, ils l'ont fait assez vite. Beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc, my bad là. Oh là là, on a fucked up là, le dernier fight là. Donc là, ils ont le lâcheur, ils ont vraiment l'avantage là. Ouais, ça fait pas de dégâts le fier. Hein. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on doit retenir quand même avec ce champion. Donc, ok. Ok, ça passe. Drake une minute, c'est quand même assez chaud. Je vais essayer de faire au moins le smite sur le Grump pour pouvoir mettre des dégâts de zone à chaque fois qu'on me tape. Je sais pas pourquoi j'ai le réflexe de maxer le corbeau. C'est vraiment pas ouf de maxer le corbeau et je sais pas pourquoi je le max. My bad, je sais pas, c'est en mode ok, ça se passe. Donc, oh merde, je cancel à chaque fois mon drain. Donc en mettant une auto-attaque, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire non plus. Donc je vais arriver là-bas. Il faudrait qu'on arrive à mettre tous nos ultis ensemble. Si on arrive à mettre tous nos ultis ensemble, on peut vraiment les défoncer. Donc je suis level 15, Larry est level 15 aussi. Donc au final, j'ai pas tant de retard que ça ici. Oh là là, le mec il a défoncé totalement avec sa Queen. C'est normal, hein. Queen honnêtement 1v1. Certainement l'un des meilleurs champions 1v1. Donc faire gaffe à ça. Ah, t'es sérieux? Moi je vais juste me barrer là. On va essayer de faire des trucs là. Voilà. Oh merde, j'ai raté ma ward. Comme assez chaud. Faire gaffe là. Bonne ulti. Oh putain, j'aime pas pu mettre mon ulti là, sérieusement. Pas mal. Les resets. Est-ce qu'il peut prendre un kill là? Il faut prendre le kill les gars. Oh putain, il va dash out là, il a son shield. Dommage qu'on avait pas Lucian sur ce fight. Il s'est fait défoncer avant. Ils vont prendre le Drake, c'est normal là. Le Rumble joue très bien honnêtement, mais il peut pas faire grand chose là sur ce genre de fight. Sachant que là on s'est fait un petit peu défoncer. J'ai mis mon ulti, j'avais déjà mis mon zonier avant pour pas me faire stun par le panthéon et pas me faire instant en fait. Donc c'était l'idée de base, mais ça s'est assez mal passé pour moi. Ils vont pouvoir prendre le Drake, ça leur fait 2 Drake à 2 pour l'instant, au top ça push. Je pense qu'on peut gagner si on a tous nos ultis, honnêtement je pense vraiment qu'on peut gagner. Mais là la Queen fait mal, 19-6, elle est partie sur BRK, Yomu dernier souffle, elle va partir certainement sur une IE. Elle a déjà un petit peu de résistance magique. Un petit peu dommage à Lucian qui s'est fait un petit peu défoncer là. Il peut pas faire grand chose. Le reste honnêtement ça va. Le reste honnêtement ça passe. On peut les défoncer très vite. Mais ils peuvent nous défoncer aussi très vite. Donc là je suis level 16, c'est déjà beaucoup mieux si jamais je prends un petit peu l'XP. Ils ont 2 Drake comme vous pouvez le voir hein, juste ici. Donc ça va. Ok, ça passe. Faire attention quand même là. Ils ont mis des wards un petit peu partout là. Ok, je vais faire attention quand même là. Si jamais ça vient sur ma bouche, ça risque d'être assez risqué. Donc je vais faire gaffe. Ok. Donc là, ils ont le buff Nashor en plus de ça. Donc c'est quand même assez délicat. Ce buff Nashor horrible. Hein. Donc avec le boost sur les sbires. Comme vous pouvez le voir là, c'est quand même assez ZF. Donc, ok, on essaye de push un petit peu. Ah mec, par contre ça fait mal.
Le fear dure assez longtemps quand même, hein. Faut qu'il fasse gaffe à ce genre de choses, hein. Donc là il a peut-être un petit peu trop fait le dingue là. Il a peut-être un petit peu trop fait le dingue là. Donc dommage pour lui. Ils l'ont déjà fait, hein. Ils l'ont déjà fait le Drake les gars. Faut se rendre compte de certaines choses. On a encore les ultis sur tout le monde. On a encore les ultis sur tout le monde. Le casse, hein, je sais pas ce qu'il voulait là. C'était pas dingue quoi pour le coup comme move. Oh non il a pas touché. Dommage, dommage. On va essayer de push, on va essayer de push là. Ok, ils ont déjà le Nashor, ils ont déjà pas mal de choses. Donc, c'est chaud. Yann Manchi, hein. Yann Manchi sur la Queen là maintenant. Ça devient assez compliqué à défoncer. Ok, ça touche pas ça. On essaie de tempo pour mettre le bon ulti. Faut faire gaffe quand même. Ouais, la flash out direct. On met le fear pour ne pas se faire avoir là. Ok, ça flash out instant. On essaye de régénérer, on essaye de temporiser totalement ce Kassadin. Donc ça c'est pas mal, on va juste essayer de partir maintenant. Attention quand même, hein. Attention quand même à la Queen qui peut arriver dans le bac là. Donc c'est assez dangereux. Ok c'est bon, on se barre, on a pris 2 kills, 2 points finalement. Donc je sais pas trop là ce qu'il a voulu faire le poteau Koro. Là il a été un petit peu de manière assez all-in, hein. On va pas se mentir, là il a fait allez je go. Ok c'est chaud quand même, hein. Ce que tu fais mon pote. Mon poteau Koro quand même. Il y a des trucs qui se passent, hein. Il va nous falloir un petit peu de trucs là, donc ok. Il va falloir un petit peu de résistance magique là. Pff, ouais non, pas tant que ça finalement. Il va me falloir plus de l'armure que de la résistance magique. Bon, mais avant tout, il faut prendre la vision. Donc on va partir là-dessus. Donc voilà, beaucoup de vision qui doit être prise si on veut faire quelque chose. Donc j'ai bientôt mon ulti, moi. Enfin bientôt, 45 secondes, donc ça passe. Faut juste qu'on essaye de ward un petit peu au niveau du Nashor, hein, parce que là le Nashor va être très très important. 35 secondes avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Il faut pas fight avant, parce que si on fight avant les gars, on a juste perdu, donc c'est assez chaud. Donc, ok, il me faudrait limite de la CDR là, sur ce champion de mort. Putain, par contre le dépush les gars, à fun quoi. T'es là, tu galères à dépush des sbires, t'es level 17, t'es là tu fais, oh bon putain qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais contre ces creeps, ils sont trop puissants. Donc ok, on fait gaffe quand même. On essaye de prendre un petit peu tout ça, ok. J'ai pris le blue buff, je vais devoir arriver au niveau de la botlane là si on veut pouvoir faire quelque chose. On a la vision un petit peu sur le Nashor donc ça va. Au niveau de la botlane, est-ce qu'on peut faire quelque chose? What? What the fuck? Il m'a flash in, t'es sérieux? Wow, de flash in. Je me suis fait tuer là quoi. Oh please. Wow, fuck, j'aime pas le temps de Zhonya. Je sais pas trop pourquoi, là je me suis fait bump je pense. Ouais je me suis fait bump mais juste après j'aurais dû pouvoir Zhonya non. Bon pas fou. Pas fou pour le coup là je me suis vraiment fait défoncer. Bien joué en tout cas au poteau. Je me suis fait avoir. Faut faire attention quand même là, faudrait pas qu'ils aillent trop de manière all-in. Sinon ils vont se faire défoncer même si je n'ai pas encore mon ulti ou quoi que ce soit. 25 secondes là c'est quand même assez chaud. Tout le monde est level à peu près 16-17, ça passe. On a juste la Queen qui est level 18. Donc ça c'est quand même assez compliqué. Est-ce qu'on peut faire un truc en fait là? Ok, il a tenté de go. Il n'y a plus d'ulti sur Queen là non plus. Donc ça passe. Ok, j'arrive. Je suis là. Ils ont juste pris un kill. Ils n'ont pas pu prendre trop d'objectifs non plus. Donc ça passe. J'essaie de mettre au moins une pink pour essayer de retirer les wards derrière. Mais non, mais elle pue. C'est terrible ce qu'elle vient de faire là. Ah, de merde. Ça fait pas mal. Allez, le kill sur lui. Oh nice, c'est bon, on en a tué 3 là. Donc c'est pas dégueu. Non, pourquoi j'ai... Non, j'ai fait quoi? Attends, non. Pourquoi j'ai mute? Non, je veux pas mute Koro, voyons. Genre je sais pas pourquoi ça mute Koro. Dès que j'ai cliqué là sur l'historique, ça fait pour l'instant du 4 pour 3. Pas horrible comme fight là honnêtement. Donc ok, ça se passe. We need Baron, j'avoue que là on a besoin du Baron là. Ok, on a vraiment besoin du Baron là. Le Lucian est vraiment chaud par contre. Le Lucian est vraiment bon. Là j'ai fait mon flash. Par contre j'ai l'impression de pas faire de dégâts, c'est horrible. Genre j'arrive, je mets mon R. J'étais en mode bon ouais je me balade à côté d'eux. Mais quand ça avoir beaucoup de résistance magique en fait, il a Banshee, il a déjà la gueule de Malmortius. Même la Queen a de la MR. C'est chaud quoi, c'est chaud. On a le Creuset de Mikael, on a le Solari sur le Sion. Donc compliqué. La Katarina qui a fail en fait, elle a juste fait DFG. Derrière elle a voulu dash sur Larry, mais elle a pas pu dash. Du coup elle a fait son Z sur le vent. Alors que si elle avait réussi à dash,
Bah je pense que le kill était assuré, donc c'est un petit peu dommage. On n'a même pas encore pris cette T1 bot, hein. On n'a même pas encore pris cette T1 bot. Donc yes, but I can't dare. Donc là je peux juste pas là, t'es quand même assez chaud. Est-ce qu'on peut tuer cette, cette Harry là? C'est compliqué hein. Oula, ça rush. Ça rush sur Larry là. Ok, on peut, on peut. Ok, elle est morte. J'ai pas encore mon ulti là. J'ai pas encore mon ulti. Ils vont devoir push un peu là. Ils vont devoir push un petit peu là. Oui, il tape aussi vite, c'est bon. Ok, ils n'ont pas de ward ici. C'est pas mal ça. Faut réussir à le tuer là. Faut réussir à le tuer. Ok, go, go, go. Gonash, Gonash. Là, c'est du 3v5. Là, c'est 3v5, les gars. Donc, c'est bon. Go, Gonash. Là, on peut le faire là, je pense. Faut juste pas que je fail mon smite. Il y a plus l'ulti sur le Panthéon. C'est pas mal ça. Ok, 1k le smite. 1k le smite. Oh, putain, merde, il m'a bum. Ok, terrible. Le smite a été loupé, mais c'est pas grave. Ça passe. Oh, ça met pas les bumps là. Un petit peu dommage. Est-ce qu'on peut aller chercher un kill là? Est-ce qu'on peut aller chercher un kill là? Faudrait aller chercher le Drake au moins. Go Drake, go Drake. Au moins aller chercher le Drake là, ça pourrait être pas mal. Ok, ça passe. Donc le troisième Drake, il pourrait nous mettre super bien. On met le dans. Nice. J'avais pas encore mon smite, donc forcément c'était assez chaud. On est le ward ici, toujours un hein, les trinkets pour essayer de se mettre bien. On a pris le Nashor, ça c'est pas mal passé. La team qui fait le taf, voilà. On a le buff sur les sbires maintenant. On va pouvoir push un petit peu le tout. J'ai mon ulti moi, donc ça passe là. Ok, là les tours vont tomber très très vite hein. Là les gars, va falloir faire gaffe là. Ok, on recule un petit peu, faut faire attention. On n'a pas trop d'infos, on peut pas trop push là. Faire attention quand même à la Kun qui peut arriver dans le bac là. On va reculer tranquille. Donc on a beaucoup de gold là, faut essayer de dépush au bot là. Au moins prendre cette tour là je pense. Si on peut au moins prendre cette tour ce serait pas mal. On a pris déjà la T2 donc c'est assez bon. Non ils veulent pas. Ok, faut pas go bot là du coup. Bon, ils vont rush mid là, j'arrive j'arrive. Donc... Oh putain j'ai back super vite là, c'est vrai qu'on faut pas oublier ça là. Donc, je vais partir sur ça. Non non non, faut pas se faire catch là, faut pas se faire catch là. L'ulti qui est très très bon quand même de la part du Rumble là. C'est très très bien ça, c'est très très bon ça. Voilà l'ultime, le kill qui a été pris. Il a dash ou le casse, il a dash en bas. Dommage dommage. Est-ce qu'il y a de quoi faire? Ah pas bon ça, pas bon ça. C'est pas grave. On va push au bot là. Go push bot. Go push bot. On va essayer de siège un petit peu au niveau de la bot lane là. Ok. Là parce que c'est chaud en fait d'aller push aussi vite là. Je pense qu'il faut essayer de prendre tous les objectifs le plus rapidement possible. Voilà, je vais laisser Lucian push parce que moi, je ne sais pas push. Hein. Je ne sais pas push, moi, donc du coup, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester là. Je vais taper des sbires. Ça va se passer comme ça, c'est tout. Donc, on est pas mal. On est bien là même. Donc, ça passe. On va du coup prendre cette tour là. Ils veulent aller mid là. Ils veulent aller mid. Je pense qu'on peut aller mid. Je pense que non, T2 bot, les gars, c'est mieux. Hein. Parce que là, T3, c'est quand même assez compliqué à tomber, les gars. Donc, voilà, on y va. On essaie de push un petit peu. Si Dashin il meurt, donc faut faire gaffe lui. Ok, on évite un petit peu le tout. Putain, il m'a fait tellement mal. Sonia. Sonia instant. Je régène un petit peu sur lui là. Je régène un petit peu sur lui. Je peux pas faire grand chose de plus là. Faut aller chercher le kill, faut aller chercher le kill. Faut pas qu'il le tue, faut pas qu'il le tue. Oh, pas mal ça. Pas mal ça. Il va pas pouvoir prendre le kill. On va juste mettre le gros fire. Voilà. On a pris le kill là-dessus. C'est pas mal. C'est vraiment même très très bon. Personne est mort. Putain, l'engage est tellement ballsy de la part du poteau Koro. Il a plus d'ulti. Oh, par contre, là c'est chaud pour moi. Elle. Pas mal. On prend le kill. C'est très très worse là. C'est très très worse. Ça prend les reset derrière. On va finir la game là-dessus. Sur un petit flash fire des familles. Alors qu'on a pu la game toute. Enfin, on a pu toute la game là. Donc la rig s'est un petit peu trop approchée. Ça se met bien. Est-ce qu'on va pouvoir prendre un petit truc de plus là? Voilà, on va prendre ça. Un petit peu plus d'AP. Mais je pense que la game est finie. Et c'est le GG. Well played. Putain, ce fight de mort quoi. Ce fight de mort quoi, please. Oh là 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 là. Oh, j'ai grave eu chaud quand même. Hein. J'ai pas été dingue hein. Sur mon fiddle. J'ai même été très très mauvais. Je me suis fait catch très souvent. J'ai oublié des Zonia de temps en temps. GG, well played. Dommage en tout cas pour cette game. Pour le pote Koro qui a perdu. Dommage à Noah qui a été très très bon aussi. Donc, c'était une game assez fun. Honnêtement, c'était une game assez fun. Le petit flash fire à la fin, les potes.
on les def grâce à ça. Mais bon, c'était pas non plus très dingue, hein. On va dire que le flash fuir était facile à mettre, hein. Donc pas de skill shot à mettre, un flash, pas non plus un skill shot. Ça se passe, on fait un petit plus 15, on est à 56 points. Il est actuellement 17h, donc on a le temps de se retrouver pour une autre game juste après, ne vous en faites pas. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite game, vous tous, les potes qui étaient sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces verts et de commentaires comme d'habitude. Et surtout à vous abonner à la chaîne. Donc pour cette victoire contre notre pote Koro. Donc pour tous ceux qui étaient sur live, on se retrouve juste après pour une autre game. Donc ne vous en faites pas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout de suite.